Peut-être que tout le monde s'en fout, mais on a créé un jeu de société, ça s'appelle Clandestin, et c'est super bien, chaque fois que j'y joue, je suis complètement bourré. Donc le lien est dans la description, allez y jeter un coup d'œil. Ah mon dieu, ouais. Ça a un peu gâché le pancake. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges dégustations. Oh. Je t'assomme. Et aujourd'hui, je suis en compagnie du génialissime Tim Debit. Il peut pas m'offrir un kebab ou un truc dans le genre, hein. À chaque fois que je viens, c'est les insectes ou les œufs pourris, super. Ah, mon cher Popcorn, mais qu'allons-nous déguster aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons déguster des vers de terre dans un pancake, n'est-ce pas génial? Absolument, pas. Mais avant, le ver de terre, qu'est-ce que c'est que ça? Le ver de terre est également connu sous le nom de lombric. C'est un grand travailleur, car il joue un rôle fondamental dans la biologie de notre sol. En se déplaçant, il mélange la terre. Il apporte en profondeur des éléments nutritifs présents en surface, comme des végétaux morts. De plus, il remonte en hauteur des oligo-éléments, comme le fer et le soufre, indispensables pour le bon développement des plantes. Le lombric se consomme cru ou cuit, sous plusieurs formes et de différentes façons. Il est principalement consommé au Canada et en Amérique latine. Par exemple, en Bolivie, ils réalisent des biscuits à base de lombric séché, que l'on peut trouver dans des petites boutiques régionales. Ceci étant dit, un biscuit au ver de terre m'ouvre pas mal l'appétit. Alors passons plutôt aux choses sérieuses. Voici une recette simple, protéinée et gourmande. Tenez mon cher Tim Debit, commencez. Bof, non. Non, si, j'insiste. Bon, ok. Voici un petit verre de rouge pour faire passer le goût, mon dédé. Ça, je dis pas non, par contre. Bon, j'ai déjà mangé. C'est pas ce qu'il a dit hier. Ah, mon dieu, ouais. Alors, bien, mais bon, un peu sableux à mon goût, quand même. On sent pas le ver de terre. J'avoue que dans celui-là, j'en ai pas beaucoup. Tiens, zoom là, on voit bien le verre. T'as mélangé les verres dans l'appareil? Oh oui. Non, je les ai fait caraméliser et après j'ai ajouté les... T'as fait caraméliser les verres avant? Oh, écart plus. Faut avaler sans mâcher en fait. Ok, je dois le finir ou quoi? Oui, je dois le finir. Je dois le finir. J'ai mangé du sable. En fait, ça a pas de goût en soi. Hein. La texture est vraiment pas agréable. Je sens un goût de terre et c'est comme si on mettait du sable dans l'appareil. Il y a des grains. Mais il y en a, ils mangent cru, le verre de terre. Ah, peut-être c'est meilleur cru. Hein. Je crois que j'en ai déjà mangé un cru une fois, ça a eu goût de bien. Ouais, ça a un peu gâché le pancake. Popcorn, si tu vois ce message, c'est terminé. Je ne reviendrai plus chez toi. Et voilà, l'épisode est terminé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. À la tienne. Like, partage et surtout, abonne-toi. Ciao.